Lorsque Jigoro Kano crée le judo, il n'a que 5 ans de pratique derrière lui. 5 années où il étudiera le jujitsu avec 3 sensei différents. Et c'est donc à seulement 21 ans qu'il commencera à développer le judo. Ce qui est très rapide. À titre de comparaison, Maître Morihei Ueshiba, fondateur de l'aïkido, aura étudié et enseigné le jujitsu pendant 10 à 15 ans avant de développer son propre budo. Le jujitsu étudié par Jigoro Kano contient des techniques utilisées par les samouraïs sur les champs de bataille. Le but de cette discipline est de mettre vite et bien un attaquant hors d'état de nuire. Kano, lui, retirera et modifiera les techniques pour transformer le jujitsu en un moyen d'éducation du corps et de l'esprit. Il renommera alors sa discipline de jujitsu, qui veut dire technique de la souplesse, en judo, voie de la souplesse, et fonde ainsi ce qui est probablement le premier budo moderne. D'autres maîtres suivront son exemple, transformant leur art de technique en voie, comme l'aïkido et le kendo. Au Japon, dans les arts martiaux dits traditionnels, comme le jujitsu qu'étudiait Jigoro Kano, il n'y avait pas de grade et de ceinture comme maintenant. On utilisait le système Menkyo, ou d'autres systèmes de titres. Mais Maître Kano instaura un autre système de grade, un système inspiré de celui du jeu de Go, à savoir les Kyu et les Dan. Mais il faudra attendre 1930 pour que le judoka Gunjin Koizumi, l'homme qui importa le judo en Angleterre, instaure le code couleur de ceinture que l'on connaît aujourd'hui et qui s'est imposé dans de nombreuses disciplines. La légende raconte que Jigoro Kano eut l'idée du judo en hiver, en regardant la neige se poser sur les branches. Les branches souples de cerisier pliaient et se débarrassaient de la neige, dont le poids faisait casser les branches rigides. Cette scène inspira l'idée que lorsqu'on affronte un adversaire plus fort que soi, il ne faut pas résister, mais céder, et ainsi retourner sa force contre lui. C'est sur base de ce principe d'ailleurs que les premières compétitions de judo se faisaient sans catégorie de poids. Mais plus tard, une fois que les techniques étaient connues et maîtrisées de la même façon par les deux combattants, le poids devint davantage redoutable, ce qui obligea la fédération à instaurer des catégories de poids pour les compétitions. Bien que Maître Kano ait basé la majeure partie de son art sur le jujitsu traditionnel, il s'est également inspiré de la lutte occidentale pour parfaire son art. Il ne s'est d'ailleurs pas intéressé qu'à la lutte. De manière générale, Maître Kano était passionné par la culture occidentale, ce qui lui permit de créer une discipline mélangeant tradition et valeurs japonaises avec le concept de sport occidental. Même si on entend souvent cette histoire, on ne peut pas dire avec certitude que c'est Maître Kano qui créa le premier club de baseball du Japon. Cependant, ce qu'on sait, c'est qu'à l'université de Kasei, deux étudiants revenant des États-Unis ont ouvert un des premiers clubs de baseball au Japon. Et ce, à la même époque où Jigoro Kano fréquentait l'université. Donc s'il est dur de prouver que Jigoro Kano a participé à la création du club, on peut quand même dire que Kano fut très certainement l'un des premiers pratiquants de baseball au Japon. Même si Maître Kano donnait cours et qu'il octroyait des grades à ses élèves, il n'avait officiellement aucun grade en judo. C'est seulement après sa mort que son neveu et successeur Jiro Nango lui délivra le grade de 12e dan à titre posthume, grade qui sera alors réservé pour le fondateur de la discipline.